Salut tout le monde, c'est Gras, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokken Tournament. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, ça doit faire 3 semaines, voire 1 mois. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Pokken Tournament. Que je me souvienne, attendez. Ouais, donc on avait tout fait et ça fait... Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, j'ai un trou. Ah oui, donc du coup, on m'a lancé un défi, c'était il y a... Allez, vers le début de ma chaîne. Du coup, les défis, enfin le défi, enfin le et les en même temps. Du coup, je me suis trompée de ligue. Du coup, on m'a dit de... Donc, vous voyez là, Archiduc est niveau 92, et ce qu'il faut, c'est qu'il soit au niveau 100, et on m'a dit de mettre tous les Pokémon au niveau 100. Et d'avoir fait tous les panneaux de mission. Donc les panneaux de mission, c'est ces trucs-là. Donc, du coup, je vais devoir faire... Je vais à tout faire. La ligue verte, la ligue... Enfin, toutes les ligues, quoi. Faut gagner des combats avec des Pokémon. Plein de trucs. Il y a des victoires à gagner. Ok, changement de phase, des coups critiques, ok d'accord j'ai rien compris mais c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut, c'est parti, bon évidemment on va pas tout faire dans cette vidéo parce que la dernière vidéo de Pokémon Tournament a duré 45 minutes, alors j'ai pas compris l'histoire des critiques là. Attends. Ah bah oui, ah non mais je suis bête. Non en fait c'est bon. J'aurais dû prendre Victini. Ah enfin c'est bon, je vois. Bah mais évidemment si c'est la ligne verte, c'est pas possible. Elle attaque frère. Je vais juste attendre qu'il attaque en fait. Non? Tu veux pas? Attaque? Non? Non? Tu veux pas attaquer? C'est compliqué de faire des coups critiques en ligne verte. Surtout quand on se trompe de soutien. Allez, frappe. Frappe, tu peux le faire. Frappe. Oh non, non, non. Un peu crotte. Crotte. Ok. Ça va être compliqué. Bon. Je vais juste changer de soutien après. Ok. Donc du coup voilà. Alors, Victini et Dracaulos. Donc, il faut prendre Victini et Dracaulos. Enfin, surtout Victini parce que tous les coups qu'on va faire, ils seront critiques. Ça va être beaucoup plus facile. Surtout en ligue verte quand ils attaquent pas vraiment alors... Après dans chaque vidéo on va pas que faire ça. Hein. Vous en faites pas, il n'y a pas que ça. Et je me suis bourré de soutien en fait.
Je prépare course. Hein? Allez, frappe. Frappe. Allez, ectoplasma, attaque. Please. Allez. Allez. Putain, j'ai foiré. C'est pas compliqué, il faut juste appuyer sur un bouton d'attaque. Allez, frère. Ça marche pas. Ok. Voilà. Par contre, ça dure pas longtemps. Alors, Archiduc, bon, c'est niveau 93. Ça va être très lent. Mais c'est pas grave. Ah, j'ai fini des trucs déjà? Ah non. Ok, un nouvel abattoir. Et un titre. Ah, je suis disciple d'Archiduc. Cette fois-ci, je prends bel et bien Victini. Ce sera la vedette de la vidéo. Ah merde, je vais attendre. Bon, c'est un peu lent là. Allez, Victini, please. Voilà. C'est long. Bon, encore un Pikachu.
ça va être lent. Mais bon, c'est un défi. Donc, faut bien que je le relève. En plus, j'ai vu un défi, c'est changement de phase alors. Ok. Voilà. Comment gagner facilement en ligue verte? Tu fais des attaques d'empoignement et voilà. Ouf. Ah bah j'ai eu changement de phase. Génial. Et une clé. À quoi ça sert? Dis-moi juste que ça va m'aider votre clé parce que. Utilise une clé. Oh! Je le fais direct. Ok, alors, on a quoi d'autre? Pokémon de combat, faut utiliser Lucario. Ici, il faut utiliser Gardevoir. C'est quoi pouvoir? Récupère en moins 3. Faut du pouvoir synergique en avant. Ok. Et maintenant c'est ok. Alors, changement de Pokémon. Du coup, le premier c'est Pikachu. J'ai pas joué avec lui. Faut gagner deux combats. Ok. C'est parti. Après, on peut changer ça. Ok. Ça fait boule. Ok. Donc, ça fait contre-attaque. Attaque de rapprochement. Après. Attaque d'empoignement. Tonnerre qui a pas marché. Queue de fer. Fatal foudre. Ok. What?
Quand les Pikachu font du karaté. Voilà ce qui se passe. Yes. Trop style. Allez, deuxième combat. Et on se bat contre nous-mêmes. Enfin, nous-mêmes. C'est pas vraiment nous-mêmes en fait. À la base, les Pikachu chromatiques sont même pas bleus. Ils sont un peu jaune d'or. Et bon, c'est comme les Gardevoir, hein. En Shiny, ils sont rouges dans ce jeu. Mais à l'origine, ils sont, sont bleus. J'adore culture. Juste pour voir Fatal Fury. Je suis pas sûr que tu es mort là. T'es pas sérieux. Ok, on se calme, no stress, tranquille, méditation. Ok, donc Pikachu, il est monté au niveau 4. Donc maintenant, on fait le défi quotidien. Alors, c'est un combat en triple, c'est génial. Shadow Mewtwo, Mewtwo, Junko. Ok, équipe de soutien, Osley et Toupicœur. Et j'ai même pas regardé HDP. C'est pas grave. Ok, je dois gagner ce combat. Tranquille. Relax. Go. Ça commence très mal. Ok, un partout.
Wow. Il m'a juste... Ouf. Calmos. On va utiliser Osier qui n'a pas marché. Wesh. Non, non, non. What? Il avait un PV. Un seul. Un. Un. Comment ça se fait que j'ai perdu? Et en plus, j'avais fait un truc. Contre-attaque. Il a annulé ma contre-attaque. Et il m'a tué. Bref, bref, bref. Enfin, Mewtwo, c'est pas un Pokémon que je sais vraiment utiliser, quoi. Dernier round. J'ai juste envie de voir si ça fait Mega Mewtwo X ou Mega Mewtwo Y. Et d'où? Calmos. Se calme. Hein? Mais c'est archi puissant. Comme d'habitude, mais bon, quand même. Pas. Oh yes, ça a marché. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais cette attaque est incroyable. Mais il est archi puissant. Mais bon, ça part quand même vraiment vite, quoi. Enfin, c'est normal. Par contre, le truc, c'est archi beau. Waouh. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker, à partager et à commenter. Ciao !